bienvenue à tous sur Resta Live pour ce troisième épisode de Dead Space 3. Bon, c'était un truc à faire, mais non. Bon, l'autre sauvegarde. Vous connaissez cet homme? Pitié! Où il est? Je n'en sais rien! Bon, finissez là, hein. Par contre, je préférais quand le rig était fermé. Ça va pas se passer comme ça. Merde. J'ai pas un coup en passant. Surtout qui c'est qui me tire dessus. Ah, il est en haut. Ok. Dans la tête ça marche bien. Elle est morte? Non? Ouais, ça a l'air. Oh, c'est une poubelle. Il est où celui que j'ai buté? Bon, j'ai décidé de pas le speedrunner, hein. Donc le but ça va être de me faire plaisir, comme c'est le dernier de la saga et qu'il n'y en aura pas d'autres. Oula, 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 oula. Je sais plus quoi là. Ouais, je me serais douté que la porte était fermée. J'ai atteint la route. Je vais trouver un moyen de traverser. Tout est automatisé. Ils ne vont pas s'arrêter. Ah, j'ai toujours mon module de stase. Je vais ralentir le trafic. Ah, c'était ciel. Oh ouais, non, t'assures pas, Isaac. C'est pas ralentir le trafic, là. Oups. Un petit cadeau qui traîne. Et je viens de créer un super accident. Quel bruit, Isaac, sérieux quoi. Oh, mais il est où ta gueule? Ah, il y a un cadeau en bas. Bon, je me mets bien, je vais redescendre. Un dernier. Te caches-tu? Non, on va redescendre encore. Heureusement. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Cadeau, peut-être pour débloquer des trucs plus tard. Elle loot moi un truc toi. Culé. Ouais. Je suis sûr que j'ai utilisé plus de munitions pour les buter. Bon, après il y avait l'artefact. Hein. C'est pas comme si j'avais fait ça pour rien. On va remonter. Hein. Hop. Bon, je suis quand même pas pressé de retourner voir mes potes les xénomorphes. Alors, on peut aller par là. Mission. J'ai pas mal de vie, ils sont généreux. Généreux au début. Merde.
déteste avoir des gars qui me tirent dessus. On va redescendre. En espérant que ça loot. Voilà. Oui, non mais je sais. J'ai pas envie d'utiliser la stase. Par contre, ma vie, je vais peut-être en utiliser un petit peu. Ouais, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Voilà. Alors, c'est quoi les trucs là, les armes? Ok, on verra ça plus tard. Parcourir. Ah, avec les flèches, pardon. C'est quoi? Computer plasma, pistolet mitrailleur. Ah ouais, en fait j'utilise pas la même arme. Enfin j'utilise la même arme. Ok. Ah ouais. J'ai 165 de je sais pas quoi. Et j'ai mon computer plasma, ok. Regardez. L'arme où j'ai beaucoup mal de... pas mal de munitions. Pourquoi il me dit changer d'arme? Quelle utilité? Bang bang! Kitty kitty bang bang, ok. Pourquoi ils sont morts eux? Ok. Ok, alors là c'est la super angoisse. Il y a des gens. C'est le nouveau chef de l'unité logique. Comme l'a promis le prophète Michael Altman, le monolithe noir sera présent pour nous tous. Pourquoi noir? Il nous délivrera de la misérable existence qui est la nôtre. Alors, fouillez, pense-toi. Oh, il doit rien avoir. Par le corps de radin. Par l'esprit, seul notre unité infaillible pourra nous sauver. Nous survivrons. Norton, c'est pas qu'une chasse à l'homme. C'est un véritable massacre. Non, vous croyez? Pourquoi s'en prendre au gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait? Danik considère que leurs travaux sur les monolithes sont une hérésie. Alors imaginez ce qu'ils pensent de vous. Vous êtes au point d'évacuation? Il serait bientôt. Bientôt, c'est relatif. J'approuve ce message. Mes frères et sœurs. Ok. On va aller où? Nous sommes devenus trop nombreux pour en vivre avec si peu de ressources. Les multinationales à qui nous avions confié. Bon bah ça commence gentiment. C'est un peu moins l'angoisse que dans le 2. Ou dans le 1 bien sûr. Bon, ça reste sympa comme démarrage. Hein? Il est encore en vie. Amenez-le. Attends, t'es Isaac là? Et tu te fais déglinguer pour le premier gogol venu? Isaac Clark, vous êtes l'homme que je recherchais. Non, ne vous fatiguez pas, votre mort n'est qu'une question de minutes. Relevez-le. J'ai quelque chose à vous montrer. Là. Quoi?
Vous voyez? C'est un monolithe test. Il y en a partout dans les colonies et les avant-postes. En quoi ça me concerne? Vous avez fait partie du programme, Isaac. Ce sont un peu vos enfants. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, vous aurez la chance inouïe d'être témoin de leur libération. Non, non. Vous allez nous tuer. La mort n'est qu'un début, Isaac. L'histoire doit suivre son cours et je ne laisserai ni vous ni personne interférer. Regardez, soyez bien attentifs. Oh, quelle erreur. Ça, faut jamais faire, jamais. Le temps est venu pour vous de prendre part à la Renaissance. Le pauvre Isaac. Et maintenant, il va y avoir des xénomorphes, putain. Ça va être autant la merde que sur Titan. Voire plus. Oh merde. Ça commence. Merde. Je vois rien surtout. Ouais. Hein. Je pense que je vais utiliser le cutter de moi. À l'ancienne. Parce que là, ça a été un cauchemar. Je veux dire putain 200 fois par épisode. Ouais. Je vais reprendre le plasma. Hein. Puis aller par là. N'empêche, c'est un peu too much. Il y a à peine 2 secondes, le monolithe n'était pas actif. Il y a déjà des xénomorphes. Bon, je ne vais pas non plus sous-estimer la toute puissance des monolithes, mais quand même. Par contre, ils sont pas avares sur les cadeaux. Enfin, sur les soins. Je préférerais des munitions. On va commencer à faire la fine bouche. Le tir alternatif, c'est ça que j'avais vu? Ouais, c'est ça. Ok. Vous pouvez frapper les corps. Hein. Ah eh mais... Le but c'est pas de me filer 200 kits de soins. Hein. Ouais, je suis déjà full. Ouais, c'est pas cool ça du tout. Ah, je suis fou là. Ouais, ça c'est pas cool du tout. Ah, il y a des ressources maintenant. À ce que je vois. Alors moi qui me suis un peu renseigné de loin, même si je voulais quand même faire de l'immersion dans le jeu. Visiblement, on peut crafter des armes comme celui-là. Mais on verra ça plus tard dans l'aventure. Je veux pas trop spoil ce petit truc. Entre le gamma, je sais te la remonter, hein, parce que pour le jeu c'est sympa, pour l'immersion c'est plutôt cool. Par contre pour les vidéos, je suis pas sûr que ça me quelque chose. Ouais, mais... Kit de soins, plus de place déjà. Non, c'est pas cool. On prend des armes.
Putain. Et ça m'arrive pas souvent dans les Dead Space. Je l'avais pas vu venir celui-là. Voilà. On va utiliser un kit. Et c'est la fin de cet épisode de Dead Space, le temps que je règle le gamma pour le prochain épisode. On se retrouve bientôt sur Rest of Live. Un peu laborieux la reprise, hein. Un peu beaucoup laborieux.